Amis jardiniers, chers abonnés, bonjour. Ravi de vous retrouver aujourd'hui après à peu près 3 mois d'absence sur cette période hivernale. On va aujourd'hui parler un petit peu des larves du sol. Alors, non pas toutes les larves du sol, évidemment pas de manière exhaustive, hein, on y passerait la journée, mais on va se concentrer un peu sur ce qu'on appelle couramment les vers blancs ou les vers gris. Voilà, toutes ces larves qui sont parfois d'ailleurs des chenilles. Qui ne sont pas toujours faciles à distinguer et surtout qui ne sont pas toujours néfastes, indésirables au jardin. Alors commençons par la larve de taupin, qu'on appelle aussi parfois larve de fil de fer. Hein. C'est un petit coléoptère qui produit une larve orangée, un petit peu très fine et un petit peu dure, d'où son nom. Cette larve fil de fer, donc, pose pas mal de problèmes. Elle peut vivre 3-4 ans quand même dans le sol et s'attaque à bon nombre de plantes. Hein. Comme la plupart des larves du sol, elle est polyphage et voilà, n'est pas inféodée à une seule espèce, bien au contraire. Cette larve fil de fer va donc s'attaquer aux pommes de terre, par exemple, aux navets, aux melons, aux tomates, enfin voilà, toute une cohorte de plantes. Alors il n'y a pas grand chose à faire contre la larve fil de fer. Le piégeage des adultes parfois peut fonctionner, mais à très très grande échelle, c'est pas envisageable à l'échelle d'un potager de particulier. On peut toutefois procéder au dépôt d'appâts dans le sol, à l'enfouissement d'appâts dans le sol, hein, des rondelles de pommes de terre ou de betteraves par exemple, et puis avec l'idée de récolter ensuite ces appâts et les larves donc de taupin qui seraient venues se nourrir contre ces appâts. Alors l'épiale maintenant, qui est un papillon qui va donner une petite chenille qu'on appelle la louvette, qui est facile à reconnaître dans le sol, elle est plutôt claire, assez longue, le corps est couvert de petites soies et surtout elle a la tête brun-orangé et elle est très très active, hein. Voilà, c'est une chenille qui bouge pas mal. Alors la louvette ronge les racines et le collet d'un certain nombre de plantes au jardin, en particulier les laitues qui sont très appréciées, ce qui va provoquer le flétrissement de la plante. Hein. Alors là encore, pas grand chose à faire si ce n'est retirer le plant flétri pour lequel on soupçonne peut-être une attaque et puis essayer de creuser un peu autour et de retrouver cette chenille et de s'en débarrasser. Alors une autre chenille facile à identifier, il s'agit de la noctuelle terricole, qui est donc la chenille d'un papillon nocturne. Cette chenille est facile à identifier, elle est grise effectivement, donc on est dans la catégorie des vers gris. Elle a la particularité de se recroqueviller lorsqu'elle est dérangée, quoi, hein, clairement. Elle se recroqueville sur elle-même d'une manière assez caractéristique. Cette chenille s'attaque, là encore, à bon nombre de plantes dans le jardin qui vont montrer des signes de flétrissement assimilables à une déshydratation, alors qu'en fait, la plante ne manque visiblement pas d'eau. Là encore, pour les noctuelles, il n'y a pas grand-chose à envisager, si ce n'est le prélèvement, hein, essayer d'observer, de remarquer des dégâts éventuellement, et puis de se débarrasser des chenilles vraiment en cas d'attaque caractérisée. Alors, il y a encore un autre vers gris, c'est la larve de tipule. Vous savez, ces grands moustiques qu'on appelle parfois les cousins. Eh bien, la larve vit dans le sol. Et on est là encore chez les vers gris, alors avec une bestiole un peu différente, puisque la larve de tipule est apode, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de pattes. Elle est capable de s'allonger très fort, ou de se rétracter, d'ailleurs jusqu'à rétracter la tête qu'on ne voit quasiment plus, hein, à un moment donné. Voilà, et cette larve de tipule peut causer un certain nombre de dégâts également, s'attaquer aux racines des très jeunes plants ou des semis. Puis alors voilà, on a des jeunes plants qui vont se coucher par exemple à un moment donné. Ça peut être le symptôme, disons, de présence de larves de tipule dans le terrain. Néanmoins, c'est quand même une larve qui pose assez peu de problèmes dans le potager en comparaison à d'autres espèces qui s'attaquent aux racines des graminées de gazon par exemple. Là, les problèmes peuvent être assez considérables. Alors, en cas vraiment de forte infestation, néanmoins, la lutte biologique est tout à fait envisageable contre les larves de tipule. On va pouvoir intervenir à l'aide de nématodes qui vont pénétrer ces larves de tipule et leur transmettre une bactérie
entomopathogène, hein, c'est-à-dire une bactérie qui va s'attaquer aux insectes, là en particulier à la larve donc de cet insecte qu'elle tipule, et va causer leur mort, quoi, hein. Alors ensuite, on a les vers blancs. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Il faut essayer de les distinguer. C'est important les uns des autres. Commençons peut-être par la larve de hanneton qui va mesurer de 1 à 4 cm en fonction de son stade de croissance, puisque là encore, elle va passer plusieurs années dans le sol avant d'en ressortir à l'état adulte. Cette larve donc est blanc jaunâtre avec des pattes assez longues, un petit peu recourbées, et l'extrémité de l'abdomen noirâtre. La larve de hanneton peut être vraiment préoccupante en cas d'infestation, ce qui est relativement rare là encore. On n'a plus les pullulations qu'on a connues jusqu'aux années fin d'années 50, début d'années 60. Ça s'est beaucoup calmé après avec les nouvelles pratiques agricoles. Mais en cas d'attaque sévère, sachez que ce sont plutôt vos légumes à tubercules ou à rhizome qui risquent d'être attaqués. C'est une larve très vorace. Alors, cette fois encore, on pourra lutter à l'aide de nématodes ou alors à l'aide de champignons également entomopathogènes qu'on va pouvoir apporter sur le sol dès le printemps. Alors il est important de bien faire la distinction entre cette larve de hanneton et une autre larve d'un autre insecte. Il s'agit de la larve de cétoine dorée qui est également à classer chez les vers blancs. La larve de cétoine dorée ressemble effectivement à la larve de hanneton. Il y a quand même une différence majeure, c'est qu'elle participe à la fragmentation de la matière organique, vraiment. Donc elle est importante dans tous les processus de compostage. Elle ne s'attaque absolument pas aux végétaux vivants, d'accord? Donc il serait dommage de s'en débarrasser sur une confusion. Un des moyens, disons, de déterminer si on a affaire à une larve de hanneton ou une larve de cétoine dorée, c'est précisément le milieu dans lequel on va trouver la larve en question. Hein, puisque la larve de cétoine dorée ne vit que dans le compost, à la limite dans la litière de feuilles. Donc ça peut quand même être en litière, disons, que vous aurez apporté, peut-être en couverture de votre sol. Ça peut être donc délocalisé du composteur, il faut quand même faire attention. La larve de cétoine dorée a une petite tête et un gros arrière-train. À l'inverse de la larve de hanneton, qui va avoir une grosse tête et un petit arrière-train à l'extrémité noirâtre, encore une fois. Et surtout, lorsque vous tenez la larve dans la main, alors il n'y a pas de risque de se faire mordre, hein, les larves de cétoine se déplacent sur le dos, les pattes en l'air, par ondulation, alors que les larves de hanneton vont se déplacer à l'aide de leurs pattes. Alors attention quand même à l'emploi des champignons ou nématodes dont je vous ai parlé, il n'y a pas de sélection, hein, et les larves du sol du même type seront toutes touchées, hein, par ces agents pathogènes. Il faut quand même le considérer. D'autres mesures telles que les bonnes associations de plantes entre elles, les filets éventuellement pour éviter les pontes de ces insectes au niveau de votre sol constituent aussi des très bonnes solutions, hein, ou une surveillance tout simplement, hein. Là encore, il est très important de favoriser la biodiversité dans le jardin. De nombreux prédateurs de ces larves du sol évoluent dans le jardin. Il s'agit de hérissons, de divers oiseaux notamment, de batraciens, pourquoi pas, d'autres insectes qui peuvent être les prédateurs de ces insectes-là. Voilà, tous ces organismes-là, si vous leur faites la place belle au jardin, eh bien, ils vous rendront service en éliminant ou en régulant tout au moins les larves du sol indésirables. Alors, on peut lire ici et là que ces larves du sol sont sensibles au travail du sol qui pourrait contribuer à leur élimination. Oui et non, sachez quand même que ce sont des larves qui, pour la plupart d'entre elles, en tout cas, sont très résistantes au froid. On aura quand même au moins l'intérêt de peut-être les ramener en surface et de les mettre à disposition des oiseaux et autres prédateurs pour quelque temps avant qu'elles se réenfouissent de toute façon.
Bon, pour ma part, je préfère ne pas travailler le sol, vous le savez. Je pense quand même que la couverture de foin qui recouvre nos parcelles sur le potager qui dit non, eh bien, constitue un obstacle, je vais le dire comme ça, à la ponte des insectes adultes au niveau du sol. Et donc, ça peut expliquer le fait que sur cette première année, en tout cas qui vient de s'écouler, j'ai constaté assez peu, pour pas dire pas du tout, de présence de ces chenilles et autres larves terricoles présentes dans le sol. Voilà pour ce petit tour d'horizon rapide de ce que vous pourriez trouver peut-être en surface du sol au moment du coup de grelinette ou d'un éventuel bêchage, pourquoi pas. Le message que je voulais vous passer est le suivant, soyez attentifs et n'éliminez pas n'importe quelle larve du sol au nom de ce principe de précaution, pour prendre un terme à la mode. Alors, très rapidement, quelques nouvelles du potager. Donc, l'hiver a été calme. On a encore quand même, malgré tout, quelques poireaux à récolter, quelques choux de Bruxelles. J'ai laissé en place quelques betteraves qui vont me donner des graines, je l'espère, cette année. À ma grande surprise, quelques côtes de bêtes aussi n'ont pas complètement gelé et sont reparties. Alors, comme il s'agit d'une bise annuelle, je crois qu'elles vont très très vite vouloir fleurir également sur l'année qui vient. Et je pense pas qu'on pourra de nouveau récolter sur ces côtes de bêtes. Bon, on verra bien. Je me trompe peut-être. Et je viens là de procéder, disons, rechargement de nos chemins avec du copeau de bois, donc à peu près 6 mètres cubes là, de copeaux de bois qui ont été amenés sur mes chemins pour entretenir ces circulations bien, bien au propre et surtout continuer d'alimenter notre sol en bois de manière à ce que les champignons eux-mêmes puissent se développer correctement, hein, ce qui est très important. Alors bien évidemment, d'autres vidéos à venir hein, très prochainement. Je vais reprendre mes semis là très très rapidement, un petit peu moins vite quand même que l'année dernière. On est un petit peu moins pressé et un peu plus raisonnable, je pense. On aura sans doute un peu moins de pertes cette année au moment du semis. C'est vrai qu'on s'était vraiment précipité l'année dernière. Ce que je peux vous dire également, c'est que la SERS va accueillir un dispositif d'irrigation un petit peu inédit, quelque chose qu'on n'avait pas employé jusqu'ici. Je vous en parlerai le moment venu, je consacrerai une vidéo à ça, hein, de manière à disons, permettre un arrosage sans doute un peu plus performant. En tout cas, une irrigation, je ne vais pas vraiment d'ailleurs parler d'arrosage, mais une irrigation un peu plus performante au niveau de notre petite serre. Voilà. Et enfin, je ne voudrais pas vous quitter sans vous toucher un petit mot d'une nouvelle chaîne consacrée au potager que je viens de découvrir. Il s'agit d'un nordiste comme moi, exilé dans le Cantal. Le potager donc du Bienheureux. Je vais vous mettre le lien vers cette chaîne dans la description sous cette vidéo. Et je vous invite vraiment à aller à la rencontre de Ludo qui jardine, si je l'ai bien compris, depuis un an environ, et qui est en train d'explorer. C'est quelqu'un de très curieux de ce qui peut s'envisager au potager, toujours de manière respectueuse de l'environnement et de manière naturelle. Voilà, et c'est quelqu'un en tout cas pour ma part que je vais tâcher de suivre de très près. J'avais envie aussi, avant de vous quitter, de partager ça avec vous. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt au potager qui dit non. Ciao, ciao!